Salut les gars, je suis bien content, je suis vraiment très heureux aujourd'hui. Bon, j'attends sur le pingouin de Madagascar. Oui, je suis trop bien. J'étais tout seul. Bon, d'accord, je l'ai oublié, j'ai tout de suite, j'aurais besoin de coup de main, j'avais la couche, j'ai un drapeau vert. Rapport sur la situation, petit gars. Aucun signe de l'ennemi, mon commandant. Et l'objectif est toujours là. C'est parfait. On progresse. Eriko, ennemi tacheté en vue. Et il s'approche de l'objectif. Je crois que nous pouvons sécuriser le drapeau sans sortir d'office la grosse artillerie. Prêt pour le lancement, petit? T'as pas l'impression que je suis en train de tomber malade? C'est pas un peu trop couleur cacahuète? Regarde. Ouais, t'es complètement malade. C'est un drapeau que rayé, comme dans Capturer le drapeau. Capturer quoi? Et qui ça? Capturer le drapeau. C'est un jeu. Un exercice d'entraînement. Pour des troupes d'élite. C'est-à-dire, pas pour toi. Mais tu rigoles, il n'y a pas plus élite que moi. Je veux absolument jouer à capturer le drapeau. Et quand je dis jouer, je veux bien sûr dire gagner. Négatif. Les civils ne sont pas admis. Hey, je vois. Non mais dis-moi, t'es un pingouin ou une poule mouillée? T'avoueras qu'il y a de quoi se moquer de toi. Je peux toujours faire coquette, mon petit poulet. Bien joué, les petits gars. Très bien, t'as gagné. Maintenant, tu peux te préparer à perdre. Écoute bien, le but de cet exercice d'entraînement est d'une simplicité absolue. La première équipe qui capture ce drapeau a gagné. J'ai gagné. C'est trop fastoche. Où est mon trophée? C'est pas aussi simple que ça. Mon prix, et dis-moi ce qu'on gagne. Et c'est quoi la récompense? Eh bien, étant donné ton peu d'aptitude, si par le plus grand des hasards tu gagnes, ta récompense sera le respect et la gloire. Et pouvoir rouler un peu plus des mécaniques. C'est archi nul comme récompense. En tant que roi, je suis déjà couvert de gloire et de respect. C'est pas vraiment risque. Glorifié. Et très respecté. Vous voyez? Moi, j'ai pas de télé. Mais oui, ça fait longtemps que je rêve d'avoir une boîte avec des petits bonhommes qui parlent dedans. Tu donnes quoi en échange? Il est propre ou pas? Marché conclu. Top là. Cible en vue. Mon commandant, et si jamais on perdait notre télé? C'est impossible, mon petit gars. Si les Muriens n'ont aucune compétence. Ouais, mais ils ont capturé le drapeau. J'ai gagné. J'ai gagné la télé. C'est génial. Cette télé ira parfaitement dans le petit coin où je déjeune. Adieu, télé d'amour. Reprenez-vous, les gars. On n'a
peut-être perdu la bataille. Ah, il m'a tiré d'amour. Peut-être. Mais pas la guerre, en vrai. Est-ce que j'ai oui parlé de revanche ou j'ai rêvé? T'as eu la chance des débutants. Faut recommencer. Aussi vrai que j'adore posséder tous vos jolis petits bibelots. Et quand j'aurai gagné, cette boîte à musique sera ma boîte à musique. Rêve toujours, c'est ce qu'on va voir. Les actes sont plus criants de vérité que les mots. Ce mégaphone est mille fois plus criant que les actes. Tu l'auras cherché, bouffon. Que le jeu commence. Le drapeau n'attend plus que vous, les petits gars. Nom d'un iceberg. C'est fou comme j'aime gagner, c'est trop bon. Et ça me va si bien. Et perdre, ça va tellement bien. À ces losers de pingouins. C'est tout simplement impossible. Aucun mammifère terrestre ne peut se déplacer aussi vite. À moi le boulier. C'est à croire que le monde tourne à l'envers. Il nous appartient maintenant de le refaire tourner à l'endroit. Je suis pas sûr que ce soit possible, commandant. On veut notre revanche immédiatement. Chut. Dan, le gros bêta de San Diego va tenter les 50 000 billets. Il est dingo, si tu veux mon avis. Tout de suite. T'as dit quoi, loser? Tout de suite. Coucou, les tortues. Vous êtes tellement lents que j'ai encore gagné. Revanche. Ma nouvelle couronne, elle est géniale, non? On veut notre revanche. Coucou les tortues, je vous vois encore perdu. Revanche, revanche, revanche. Ayez vos têtes, votre de tortue. À partir de maintenant, je vais t'appeler Carlotta. Qu'est-ce que t'as dit, ma jolie? Laisse-la, Rico. Calme-toi, serre les dents, Rico. Merci, les tortues. Quand vous aurez d'autres choses qui vous plairont, je serai ravi de vous remettre une bonne raclée. Ah. Oui, génial. Allez, Morty, tombe là. Saute plus haut. Encore plus haut. C'est vraiment tout ce que tu peux faire? Oh, d'accord. Alors, à plein ventre. Ça sent le roussi. On devrait faire sauter quelque chose. Une puissante explosion renverserait peut-être la situation, tu crois pas? Il nous reste plus rien, même à l'intérieur de Rico. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, on n'a plus rien à perdre. C'était déjà assez dur qu'ils nous battent. Ils n'avaient pas besoin de nous traiter. En plus, des volatiles sans ailes, c'est blessant. Volatile sans ailes. Sans ailes. Mais bien sûr, Kowalski, qu'est-ce que t'as dit tout à l'heure? Ça sent le roussi. Non, avant ça. Maman, j'ai fait boum boum. Non, après ça. Aucun mammifère terrestre ne peut se déplacer si vite. Bingo! Les lémuriens ne se déplacent pas sur Terre. Alors ils se déplacent sur... les arbres! Premier de la classe, Kowalski. Tant que les opérations se dérouleront à l'extérieur, nos adversaires lémuriens planeront juste au-dessus de nos têtes. On n'avait aucune chance de gagner. Parce qu'on ne se battait pas à égalité. Ça redonne enfin un sens à la vie. Mais attendez, on sait comment ils arrivent à nous battre. Mais nous, on ne sait pas comment réussir à les battre, commandant. Regardez le ciel, les petits gars. Regardez bien le ciel. Votre assurance voiture vous coûte peut-être trop cher. Ça alors, c'est bien possible, oui. Dis-moi plus. Les assureurs n'hésitent pas. Menti. Mais pas de fémardise. Comment tu veux que je sache si j'ai payé mon assurance voiture trop cher? Ouais, c'est génial. Et vas-y, Maurice. Lémurien, on veut une dernière revanche. C'est tout ou rien. Mais j'ai déjà absolument tout, et vous, déjà absolument rien. Alors, comment ça peut marcher? Kowalski, les options. Désolé, mon commandant, mais on a perdu mon bloc-notes à options il y a deux nuits. Bon, d'accord. Maurice, option. Il pourrait jurer de t'être éternellement fidèle. Ramper devant moi, m'obéir et me brosser la queue pour que j'ai plus de nœuds. Ça semble une bonne idée. Oh, oh, j'adorerais ça. On accepte, la partie peut commencer. L'ennemi est en mouvement, mon commandant. C'est parti. On se secoue, les petits gars.
Maintenant, faites sauter le bouchon. Je vole. Je vole. Qu'est-ce qu'il y a, petit? Crache vite. Oui, mon commandant. Ah, une bestiole. Ces gros empotés de pingouins réussiront jamais à me battre, c'est clair. C'est impossible, je suis trop fort. Rêve toujours, bouffon. Ton impossible est devenu possible. Hein? Et les volatiles sans aile, mais... Ils volent. Oui. Terreur dans le ciel. Jeu 7 et match. Alors, si je comprends bien, quand il disait tout ou rien... Il voulait vraiment dire tout. La victoire est plus douce quand on a goûté à la défaite, n'est-ce pas, commandant? Ah, la victoire l'est encore plus sur le transat du bouffon. Je n'aurai jamais la force d'un X-Men. Donc je sors des mixtapes. Je suis ce gosse, manque d'affection. Qu'on va souvent dans les films de science-fiction. Wesh, son poids est